tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est assez spéciale puisque je vais tester le miroir de la marque Matte Mirror. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Matte Mirror, donc en fait c'est une marque qui fait des miroirs à 360 degrés. Et en fait c'est hyper pratique parce que ça va permettre de voir ce que vous faites quand vous vous coiffez, tout ça. Parce que quand vous vous lissez les cheveux par exemple, et bah vous vous lissez les cheveux mais vous voyez pas vraiment ce que vous faites derrière, vous voyez. Et là en fait ça va permettre de voir ce que vous faites. Donc vraiment ça a l'air super bien, donc on va tester ça aujourd'hui. Aussi je voudrais énormément vous remercier car on a atteint les 31 000 et c'est juste énorme, donc vraiment merci beaucoup. Donc la marque Matte Mirror m'a envoyé leur colis pour que je teste avec vous. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, mais juste avant de le déballer tout ça, je voulais vous dire que vous avez un code promo si ça vous intéresse ce miroir. Donc c'est Claudia18, tout en majuscule. Donc de toute façon, il y aura tous les liens en barre d'infos, tout. Et je vais vous l'écrire par là ou par là pour que vous puissiez savoir. Donc on va pouvoir tout de suite déballer le miroir. Alors voilà, donc là on se retrouve sur mon lit. Donc je me suis mis dessus pour que ce soit beaucoup plus facile quand je vais le déballer. Et donc on va pouvoir le déballer tout de suite. Donc déjà le colis se présente comme ceci. Donc ici vous avez écrit Matte, donc comme ceci. Et c'est très joli. Et je suppose que ça s'ouvre comme ceci. Hop. Comme ceci. Alors, donc là comme vous voyez, vous avez le miroir. Donc on va l'enlever de sa boîte. Donc je vais la poser juste ici. Et donc voilà comment se présente le miroir. Donc comme vous voyez ici, il y a un film plastique qui protège le miroir. Et donc il est comme ceci, donc vous voyez aussi qu'il y a écrit Matte un peu partout, voilà. Donc pour l'ouvrir, c'est juste ici, et hop. Donc il faut savoir que j'ai jamais ouvert, donc je vais ouvrir avec vous. Donc ici vous avez donc une face, il est vraiment très très grand, hop, et donc comme vous voyez ici il y en a trois, vous voyez, hop, donc il se présente comme ceci. Donc il est comme ceci en longueur en tout. Donc il y en a trois. Il est très beau. Et du coup on va tester juste après. Donc je vais aller me lisser les cheveux parce que vous voyez, là ils sont pas du tout lissés. Et donc hop, quand je le refais, c'est comme ceci. Donc aussi vous avez des petits crochets normalement au miroir. Et en fait ça permet de les accrocher à votre porte. Et du coup ça a l'air très pratique. Donc ils sont juste ici. Je vais enlever les films plastiques et je reviens. Ok, donc voilà, là j'ai enlevé tous les films plastiques qu'il pouvait y avoir. Donc ça sera beaucoup plus facile. Et donc les crochets ils sont juste ici. Donc là il y en a deux comme vous pouvez le voir. Et donc vous avez juste à tourner comme ceci, dans les deux sens. Et ici du coup vous pouvez le tirer autant que vous voulez, donc à la longueur que vous voulez. Et des deux côtés, donc je vais vous montrer en entier combien ça fait. Donc le plus haut possible. Donc là on tire et comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment très grand et très long. Et donc ça, vous l'accrochez à votre porte et vous le mettez, donc là imaginez, ça c'est la porte, vous faites comme ceci. Et vous pouvez du coup vous voir quand vous vous coiffez, tout ça. Donc je vais vous montrer comment je l'installe, on se retrouve juste après. Alors voilà, donc je l'ai accroché à ma porte, donc je vous montrerai à la fin comment j'y fais. Et donc aujourd'hui, donc je vais me faire un petit lissage comme je vous l'ai dit, parce que vous voyez c'est pas très bien lissé tout ça, même pas du tout. Et donc on va pouvoir le déployer, donc comme ceci. Hop. Donc il y a trois miroirs, 1, 2, 3 comme je vous l'ai dit. Et on va pouvoir commencer à se lisser. Donc j'ai à ma disposition une pince, une brosse et un lisseur. Donc celui-là je vous l'avais présenté dans ma vidéo de routine collège. Et donc c'est un lisseur qui vient de chez Babyliss et franchement il est super bien, donc il est à la vapeur, donc ça abîme déjà moins vos cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait laisser quelques mèches et les lisser au fur et à mesure, et je vous laisse voir de toute façon avec les images.
Ok, donc voilà, j'ai fini mon lissage. Donc vraiment, je suis très contente parce que vraiment, le miroir, il m'a beaucoup aidé et franchement, il est très utile. Donc je voulais juste vous montrer au niveau comment je l'ai accroché. Donc voilà comment il est accroché. Donc ici, vous avez donc les deux crochets qui sont attachés donc à ma porte. Et donc pour le fermer, bah, il est tout simplement, hop, je vais vous montrer. Donc là, j'ai fermé le premier et donc le deuxième. Ceci. Et du coup, comme pour les crochets, donc là je l'ai juste accroché comme ceci. Hop, vous avez juste à l'enlever. Donc moi je l'avais mis au maximum hein, pour ceux que ça intéresse. Et donc vous n'avez plus qu'en fait à tout refermer. Comme ceci. Hop, vous remettez les crochets. Et donc voilà, donc il se range juste ici. Voilà, des deux côtés. Donc voilà pour le miroir. Donc voilà, on en a fini avec le miroir. Donc franchement, je trouve qu'il est très pratique. Donc c'est vraiment très utile. Et franchement, je le trouve vraiment super bien. Hein. Il est vraiment très bien. Il y a juste ici une petite anicroche, on va dire. Mais ça ne dérange pas l'utilisation du miroir. Donc voilà, je trouve qu'il est très bien. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez tous les liens en barre d'infos pour pouvoir aller l'acheter, tout ça. Donc si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Dis-moi en commentaire si tu as des idées de vidéos que je pourrais reproduire. Et sur ce, je vais vous laisser et à bientôt pour une prochaine vidéo.